Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Laisse encore une fois nous examiner la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que c'est un peuple qui habite un endroit qui s'appelle Béré. C'est un Béréen, la parole de Dieu. Dieu est avec des apôtres. Il dit chaque fois la parole de Dieu est pressée, je t'ai regardé ça encore, je t'ai revérifié pour guetter si ça est vrai. À cause de ça, je ne vais pas ne répondre tout à fait amen. Si je ne pas, si je pas répondre, ferme la bouche parce que vous ignorez. Vous trouvez tout le monde maintenant, toutes les affaires qu'il dit, parce qu'il y a un monde, une des bouts là, il appelle un homme de Dieu, tout ce qu'il dit, je te réponds amen. Non. Tout pas amen. Ce qui vient dans sa livre là, dans la parole de Dieu, ça qui est amen. Alléluia, gloire à Dieu. Un monde peut raconter, je connais, je peux raconter toutes mes histoires, je peux me bosser, je peux faire le bazar. Amen. Mais il peut amen là-dedans parce qu'il comprends-moi bien. Il peut raconter. Mon parti là, je ne peux pas vérifier ce qu'il peut dire. Ce n'est pas vrai comment je peux dire amen. Si je dis là, peut-être. Mais justement, quand nous trouvons une parole vraie, nous disons amen. Alléluia, gloire à Dieu. Laisse-nous guetter la parole de Dieu ensemble. Qui est important, c'est qui va vous parler ce matin. Qui est important pour nous exposer, nous bons enfants, nous bons zen, à la parole de Dieu, dès ce plus en âge. Il est important pour nous exposer. Et tes enfants là, ils aiment. Ils ne parlent de la parole de Dieu, ils ne parlent de la parole de Dieu. Nous aussi, nous pratiquons la parole de Dieu, nous pratiquons la parole de Dieu, nous. Mais il est important pour nous laisser nos enfants y être exposés. C'est-à-dire, attendez, comprendre, lire un petit récit concernant la Bible, la parole de Dieu. Et ça, les enfants, je ne pas pour les enfants tout le temps. Je trouvais que tous les enfants qui peuvent assister là. Je tous les petits-enfants. Cause vrai, ou pas tiens enfants. Et c'est là où on est bien des enfants ou grands. Mais seulement, depuis l'enfance, on apprend beaucoup quelque chose. Beaucoup quelque chose, on apprend jusqu'à on devient grand comme ça. Et dans quelque chose, on ne peut pas oublier. Ah bien, justement, frère Saint-Christ, laisse-moi nous lire dans Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, beaucoup lire à partir du verset 14. Deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3. Pour lire à partir du verset 14, deux versets même nous pour lire. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, un jeune homme, par le dire Zen, c'est Zen. Il dit, toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures ou les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il y a une grande parole, ça. Je connais qu'il est ennemi. Il est diable. Hein? Quand on peut causer l'ennemi, je dis le diable. Et tout ce bande de mots. Je target Banzen. L'objectif, c'est atteindre Banzen. Parce qu'il connaît nous n'est pas assez. Pas facile pour changer l'esprit. Je t'attaque Banzen depuis plus de petit. Je t'attaque sa banzen. Vous connaissez un frère Timoris. Il est un étranger, mais il travaille à Maurice pendant assez longtemps. Un frère, il prend sa parole de Dieu. Il dit là-bas, dans ce pays, dans Kenya, Bana peut dire, on peut redire, bonne religion, peut dire, si pas capable de gagner nous, je peux targuer nos enfants. Nous, inutile, nous, la tête infinie remplie en religion, nous. Pas capable sans nous. Si pas capable sans nous, je veux dire, je peux sans nous, enfants. Mais ce n'est pas ça,
C'est l'ennemi, c'est le diable qui peut target Saban Kitenda, frère sans Christ. Je target ban petit petit. Si vous regardez bien, dès deux jours, ban parents nous livrer nous ban enfants à toutes sortes de choses. Quand vous êtes livré, voici que ça. Un enfant, les petit petit, il n'est pas capable de finir contre l'un portable. Ni nous-mêmes, un grand Jimoun, nous pas fini contre ça. Mais plus souvent, de nos jours, nous trouvons les parents qui n'ont pas gagné un tracas. Les enfants, là, les yeux, ça portable. C'est-à-dire, les yeux, ou pas connaître qui quelque chose est capable de tendre, qui quelque chose est capable de trouver, et l'ennemi, il peut rentrer dans tout petit petit. Dans tout petit petit faille. Ou même ou capable, ou peut faire un travail important, même l'ordinateur peut faire un travail important. Un petit maman par connaît qui publicité ne rentre, et ou pas tu peux ça, et bien publicité qui parfois pas correct. Mais frère sans Christ, l'ennemi, il t'a des bannes zen, ban petit à travers ce ban film. Je connais qui film maintenant trouve tout film correct. Vous connaissez sa dernier temps là. Et un film qui m'a tant banna causé. Il est supposé enfant, mais il n'est pas enfant, il grandit mon Bobby. Je ne sais pas quoi ce thème, je ne sais pas quoi ce. Je ne sais pas quoi ce qu'il y a là-dedans, mais je ne sais pas quoi ce qu'il y a là-dedans. Bon, guetté. Je trouvais deux, trois pays, mon corps parmi l'Algérie, ils bannent sa film là. Ils empêchent sa film là. Et là, tout le monde descend dans le pays, oh, il est réseau, puis on peut faire un bon film, je veux. Là, tu donnes une raison qui fait. Je veux dire, il compte cette morale, sa film-là. Parce que dans sa film-là, il peut dire des hommes qui ont marié, des femmes mariées. Et moi, je dis, Algérie, il a raison. Il peut saper nos morales, il peut faire nos enfants comme un score, dans quelque chose qui, en Indien, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et l'homme. Je peux mettre ça dans la. Je peux inculquer ça dans la tête de nos petits enfants pour quand ils viennent grands, ils acceptent ça. Mais nous, nous pas accepter ça. Frère sans Christ. L'ennemi, il t'en par petit petit. Même dans l'école, il y a des enfants. C'est incontrôlable. Par petit petit enfant. Longtemps. Par un garçon dans mon grandeur, comme dans la forme. C'est un long garçon. Il y a un talent. Dans l'assemblée, comme ça. Mal comporté devant tous ces enfants-là. Il n'y a aucun papa pour amener sable pour venir. Au contraire, il y a un problème. Ou mal comporté. Et c'est là, ces petits enfants, depuis d'enfer, seconde, contrôle professeur. Mais je dis, l'ennemi target, c'est incontrôlable, frère sans Christ. Quand on get banner, elle a une religion qui fait mal la mort, c'est martial. Plusieurs religions, hein. Guette dans sa bande qui m'a là. Vous ne connaissez pas un lève, disait guette bande qui m'a là, qui ban ça. Coucou, ban si vous l'entendez, ban tirakai. Oui. Pourtant, je passe à la religion, là, ça ban, hein. Seulement, l'ennemi target ce depuis petit petit. Pas de moi, quand il trouve son grand-père faire ça, il aussi peut faire. Non. Il target ce pour qu'il t'en soit devenu grand. Et une autre génération qui l'éveille, qui compte la parole de Dieu, qui compte Jésus-Christ, qui compte tout, frères en Christ. L'ennemi, il target sa tendance. Et il connaît c'est un ban qui a plus l'énergie et qui n'a pas faire quelque chose. Nous, quand nous arrivons dans un certain âge, nous manquons ça. Nous manquons courage et nous manquons l'enthousiasme. Même pour l'œuvre de Dieu, nous manquons. Nous perdons sa capacité-là. Mais quand on zène, on est dans tout. C'est l'avenir, ça. Mais l'ennemi, il peut attaquer l'avenir. Pas l'Église, l'avenir nous pays. Avec la drogue, vous trouvez tout ça banzène. Moi, vous demandez, moi, demain, ça banzène qui ne prend la drogue. Qui
Qui qualité des enfants sont pour produire? Bons enfants bas de gamme. Bons enfants frêles. Bons enfants handicapés. Il est là pour affecter le travail dans nos pays. Mais nous, nous disons non. Bon Dieu a un plan. Bon Dieu a un plan, frères en Christ. Gloire à Dieu. Qui fait mon père comme ça parce qu'il y cause avec Timothée, il dit, dès ton enfance, Timothée, tu connais les sept. Peut-être depuis ton enfant, tu connais ça. Pas quand on devient grand, elle est là, pour moi, c'est à toi, c'est ici, c'est là, mais tu n'es pas d'accord, normal, tu n'es pas d'accord. Vous connaissez, lisez bon Dieu aussi, les bons enfants. Lisez bon Dieu aussi, les bons enfants. Si nous écoutons la parole de Jésus, il dit, laisse bons enfants venir vers moi. Peut-être Jésus est un lycée aux bons enfants. Seulement nous pensons qu'ils sont enfants. Là, ils disent ban comme ça. Laisse-nous lire la parole de Dieu ensemble. Qui fait l'ennemi derrière bons enfants? Psaume 22, verset 10. 10 ou soit 11, hein, peu importe. L'autre version seconde qui dit 10 ou 11. Psaume 22, 10 ou 11. Ou 11, selon les autres versions de la Bible. Il dit, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Peut-être sa bonté là, depuis ses enfants là, il concevoir dans le ventre, bon Dieu, il bon Dieu, ses enfants là. Il a dit, il ne pas comprendre, est-ce que je ne pas passer dans la loi? Je peux dire, il connaît après combien de semaines, capable de faire l'avortement. Après combien de semaines, vraiment, et dans la vie. Mais la vie, il commençait dès le commencement. Bon Dieu, pour ces enfants-là, frère sans Christ. La vie, c'est la vie. Peine dans combien de semaines dans la vie. La vie, c'est la vie. Au commencement, c'est la vie. Il disait, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Il veut dire, il disait, bon Dieu, là, aux enfants. Même dans le ventre, il disait, bon Dieu, il au lit pour ces enfants-là. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc, on est, déjà raconté tout ça. Moi, pour madame, nous avons le docteur. Quand nous avons le docteur, nous avons le ensemble, docteur là, connu tout bien. Depuis longtemps, nous avons continué à assister, nous causer. Docteur là, il n'est pas un chrétien, ça. Il est un musulman. Docteur là, comment se causer nous, nous avons causé, comment prier? Arrête un peu ça. Il peut dire, un dimanche, il peut faire sur la prière dans l'autre pays là. Un dimanche, il dit, quand toi là-bas, priez pour moi. Il dit, un dimanche, tu sais, dis-moi, qui vous priez? On en a beaucoup de dimanche, quand tu parles à l'église, priez pour moi. Mais c'est moi, pas connu pour qui ça fait. Peut-être, il comprend. Il dit, tu sais, dis-moi, qui vous priez? Après, il commence à causer leurs enfants. Il dit, je connais, j'ai besoin de prier pour leurs enfants. Mais écoute-le. Hein? Il dit, j'ai besoin de prier pour ces enfants-là. Ce n'est pas pour ces petits-enfants qui pour concevoir dans le ventre, qui pour naître. Il dit, parce que ces enfants-là, dans sa conception même, j'ai besoin de prier que ces enfants-là aient en bonne santé. Il y a des enfants viables, il y a des enfants qui peinent un handicap. Il dit, priez pour ça. Côté Bestella, nous, bandes chrétiens, nous croisons les bras, ça bougle là, qui peut bien explique-moi, qui vient prier pour nos enfants. Et là, il raconte nous, il dit, il y a un pilote, le temps ces enfants-là est né. J'en viens des enfants, quand ces enfants-là sont nés, les enfants-là handicapés. Bougla, il dit, mais qui m'a pour faire ces enfants-là? J'espérais qu'ils comprennent qu'il est important qu'ils nous prient. C'est-à-dire, est-elle enceinte? Mais bien prier. Bien prier pour ça. Parce qu'il y a la vie, ça. Il y a la vie, ça, frère Saint-Christ. Maintenant, pour envie qu'on ait. Côte,
Timothée, comment il connaît ça? Paul peut dire Timothée depuis enfant. Tu connais l'écriture. Tu connais les saintes. Depuis enfant, tu connais ça. Laisse-nous lire dans 2 Timothée même. Chapitre 1er, 2 Timothée, et puis de Paul à Timothée. Chapitre 1er, à partir du verset 3. Paul dit, je rends grâce à Dieu, c'est-à-dire à Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il dit, rappelle-toi dans ma prière, la nuit, les jours. Me rappelant tes larmes et désirant te voir, mon envie trouve-toi, Timothée, et d'être rempli de joie. Il dit, mon God and souvenir, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il dit, dans toi, elle est la foi sincère. Il dit, c'est la foi-là qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il dit à Timothée, ton aïeul, peut-être ton grand-mère, Loïs, tu as la foi dans Dieu, dans la parole de Dieu. Et pas juste ton grand-mère, ton maman aussi, tu as la foi. Peut-être que tu connais mon Dieu. Quand je finis de connaître mon Dieu, je finis de cause mon Dieu. Parce que je connais pour beaucoup mon Dieu causé ici dans l'église. Après la case, je n'ai aucun rien Dieu. Tout nous-mêmes. Nous faisons ce qui nous a envie, nous causons ce qui nous a envie, nous guettons film qui nous a envie. Existe dans l'église qui cause mon Dieu, pour certaines personnes. Mais non, frère sans Christ. Sa grand-mère là, il cause la parole de Dieu à ses petits enfants. Sa maman là, il cause la parole de Dieu. Même son papa qu'on bon Dieu pas connaît. Mais toi, tu es une grand-mère, toi, tu es un grand-père, toi, tu es un papa, tu es une maman, tu es obligé de cause la parole de Dieu. Disait, édique les enfants, frère sans Christ. Là, nous pensons qu'il s'est à la fois là, fin transmettre. Beaucoup du monde pense à un transfert. Pourquoi? À cause de grand-mère, tu es un grand chrétien, prier, il est transfert, tout ça, la prière là d'en haut. Et où là? Par quoi ça doit? Elle est une bande qui court dans sa théorie transfert là. Elle ne peut pas connaître pour sortir, pour ne venir mettre la main autour de la tête, transférer tout ce bandon autour toi. Non, frère, il n'est pas comme ça. Parce que bandon vient de Dieu, ça. Ça don là, pas pour ça, bouge là, ça n'est capable d'un don, mais pas pour lui, ça don là. C'est de Dieu, ça. Mais ça, la foi là, il n'est pas transmettre automatiquement, ça. Il n'est pas transmettre automatiquement depuis Loïs, depuis Eunice, non. Une bizarre, comment nous dire, dans le rôle, une bizarre, un frottement entre Timothée et son maman et son grand-mère. Ils ont une bizarre ensemble. Ils l'étant, vivent ensemble, causent ensemble, mangent ensemble. Les gens qui sont venus passer, ils ont causé la parole de Dieu. Pas une force. Parfois, ils aiment une tante, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas prier, attendez. Ils ne peuvent pas prier comme ça, attendez, ils écoutent les autres. Qui sont peut dire, qui fait, ils peuvent faire ça. Les enfants, attendez, les enfants comprennent. Depuis plus de petits enfants comprennent. Et par quoi les enfants bêtent? Un an peut dire les enfants bêtes. Les enfants bêtes. Les enfants racontent tout péché. Oh, misère là, vous connaissez. Les enfants bêtes. Les enfants bêtes. J'étais aussi dans l'école, moi. Il y a beaucoup de secrets, moi. J'étais moqué par les parents. Mais oui, les enfants là, ils ont aimé, ils ont béni. Petits enfants, moi, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je t'aime beaucoup, plus ban grand là. Moi, je comprends, je ne vais pas dire tout. Mais ban qui plie, petit là-bas, fini de dire. Ah, ben si je te connais dire tout ça, là, de la parole, si je te connais. Les enfants là, pas connaissent. Et elle-même, tous les grands matins, va aller comme ça, si l'on va nous faire la prière, elle dit, comment dire ça, ban moula, comment dire, il redit ça automatiquement. Seigneur, Jésus, il peut causer. Parce qu'il nous désattendait, lui. Il nous attendait. Mais, frères en Christ, nous disons, nos enfants, il y en a beaucoup pour recevoir de nous. Qui nous enfants, qui nous petits enfants, il y en a beaucoup pour recevoir. Nous ne pouvons pas regarder, ce papa est sous l'or, ça n'est pas pour ça.
Car ce n'est pas sur l'or, mais son grand-père n'est pas sur l'or. Non, comprends-moi bien, frère Saint-Christ, on a un travail pour faire. Il n'y a pas même des enfants, nos voisins aussi, il est à nous. Nous parlons la parole, il vient contre nous, nous causons avec lui. Il nous a fait importance, hein, frère Saint-Christ. Ça, la foi, là, c'est la foi. Dans Timothée, là, c'est la foi basée sur la parole de Dieu. La Bible dit, nous disons, et dit que nos enfants dans ce mec, ils disent, suivre. Vous connaissez un homme qui peut dire, quand il vient grand, il a petit là pour vous. Vous dites, il ne va pas venir raconter des histoires. Quand il vient, attends, je dis, quand il vient grand. Je connais parfois, un chrétien, je dis ça, là. Moi, mon les enfants là, comme ça, quand ils viennent grand, ils prennent des décisions. Moi, quand je suis grand, je prends des décisions. Mais toi, parce que tu n'as pas tiens à ton papa, pas tu causes la parole de Dieu, ton papa, pas tu connais la parole de Dieu, mais toi, tu connais, toi. Alors, tu peux laisser les enfants là, viennent grand, les là, ils prennent des décisions pour lien. Et qui quand il peut venir reconnaître, combien brillo, ça. Tolémance Brioche, qui prie ses enfants pour faire la première communion, un CS. Ces enfants-là, ils nous les, je veux dire, ni ce papa, ni personne, mais c'est mes enfants avec Djibout, qui m'a dit que je faire la première communion. Ma. Et c'est ce maman qui dit, pour faire la première communion. Mais non, mais si vos enfants avec venir dire, pour un musulman, ma. Et te dire, oui, hein, tout ce qui est venu. Mais toi qui contrôles, si pour faire, si pas pour faire, pas faire. Mais c'est moi, nous ne sommes pas capables de nous laisser un petit enfant 7 ans décider. Qui fait, il n'est pas venu, puis il n'a pas venu, dire, ma, on décide, on ne va pas à l'école du tout. Oui, mon garçon. Parlez. Mais non, ça va être quelque chose comme ça, là, nous bien connaître, nous, un enfant de Dieu, nous bien connaître, nous ne sommes pas capables d'élever nos enfants, comment, que ça. Ça va, les enfants, des petits en nous. Quand ce grand frère se fait mauvais, c'est un autre, c'est une autre histoire. Ça nous pas rentrer dans, mais c'est moi, nous élevons les autres bien. Jamais nous élevons les autres en mal, nous pouvons élever les autres dans une vilaine manière. Pour une bonne vilaine manière. Il dit, éduque nos enfants dans la voie qu'il est bien suivre. Proverbe 22, hein? Proverbe 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je connais. Si on a un verset là, il dit, instruis les enfants là dans ce mec, il dit, allez. La Bible ne dit pas, les enfants là, viennent grand, ils peuvent décider. Non. Instruis tes enfants dans ce mec, il dit, allez. Je trouve que tu es moi. Dans bien bonheur, grand matin, je trouve des enfants, je t'habille, je t'allais. La pluie, cyclone, c'est allé. Et là, dans tantôt, quand on a vacances, il y a l'autre l'air, c'est allé à l'école. Dans l'école là, c'est l'école religion, ça. Les parents envoient les autres. Il n'y a personne qui rate là-dedans. Personne. Et c'était ainsi quand les enfants viennent grands, ils viennent là, ils disent à baptiser. C'est l'autre, ses parents, il n'y en a rien pour dire là-dedans parce que. Et puis, les enfants l'envoyaient dans son école. Ils y ont les sensés. Mais nous aussi, frères en Christ, nous disons, et dit que nos enfants, dans 6 mètres, ils disent, suivent. Qui 6 mètres, toi, tes enfants suivent. Beaucoup de monde, mon petit parenthèse, il passe dans mon prédication, il y a beaucoup de monde qui cause un mariage mixte. Moi, je n'ai pas aucun problème entre ma race, moi, je n'ai aucun problème. Qui est noir, tu es blanc, tu es chinois, tu es créole, tu es. Qui tu es? Je ne trouve pas trop aucun problème là-dedans, tu es du monde. Moi, tu es un être humain. Mais c'est moi, ce problème vient dans ce qui ou quoi. Ce problème va venir qui ou était, qui ou quoi, dans qui ou quoi. Quand ça dit du monde, on vit ensemble, qui est quoi? C'est dans la quoi A, l'autre quoi B. B. Pas capable de. Pas capable d'aller plus loin là-dedans, tout le temps pour avoir des accords aux enfants, comment pour vivre, dans qui qu'ils tiennent les enfants pour vivre. Mais non, frère Saint-Christ, l'importance, à cause de ça, la parole de Dieu dit, nous conjoints, bien trouvés en Christ. C'est pas, là, il n'y a pas vu leur race, il n'y a pas vu leur qu'ils tiennent, il n'y a pas vu leur nanier, qu'ils tiennent les affaires secondaires.
tout quelque chose capable à prendre. Mais c'est moi quand tu crois, qui te crois, dans qui ton crois, est-ce qu'il te croit en Jésus-Christ, est-ce qu'il te croit que Jésus donne toi la vie éternelle, mais si ça coupe place de tous les deux croire ça, mais pas pour aucun obstacle, parce qu'ils se croient dans même quelque chose, frères en Christ. Maintenant, non, sa crainte nous capable de faire un peu dans sa crainte pour lui. Non. Il n'est pas embarrassé, ça a même trouvé que ça embarrassé, pas embarrassé ça. Donc, connaître le rôle de parent est important. Le rôle de parent est important dans la vie des enfants. À cause de ça, ici, nous avons une affaire qu'on appelle l'école des enfants, c'est pas le club des enfants. Nous voulons que les autres enfants soient éduqués. Nous voulons que les autres enfants soient éduqués. Mais c'est mon rôle principal, ce n'est pas l'Église qui vient éduquer les enfants avant. Ni l'école primaire, pas lui, ce n'est pas son rôle ça. Le rôle, c'est dans la case avant. Première l'éducation des enfants, c'est dans la case. Qu'est-ce que c'est quand les enfants viennent à l'école des enfants, elle est là pour dire, montrez-les prier. Ah ben, ce maman, ce papa, me disait, montrez-les prier la case. Ah, vous connaissez mon travail, bonheur, trop bonheur, je ne peux pas prendre le temps. Regarde ça. Ou la case pour vous qui me dire ça. Vous avez trouvé le temps. Trouvez le temps pour vos enfants. Trouvez le temps pour vos petits-enfants. Je connais, pour des accords, ça, dans les passés. Même une maman est enceinte, un enfant qui est dans son ventre, il n'est pas encore né. Maman a prié. Elle a assisé, elle a prié. Moi, je me dis à ses enfants dans le ventre, ils attendaient. Ils sentaient, ils sentaient le cantique. Ces enfants-là, il y a une influence dans ces enfants-là. Il lit à la parole de Dieu. Il y a une influence aux enfants là. Et moi, je me dis, moi, plus loin, ou pas bête, là, dis mon Dieu, je peux tout seul. Ou capable de causer avec vos enfants dans le ventre. Ou pas. Causer, connaître la parole. La parole est une puissance, hein? Je dis mon Dieu, papa, comprendre la puissance de la parole. La parole elle a une puissance. Vous êtes capable de causer avec ces enfants-là. Prenez depuis mes petits-enfants sont nés. Depuis si petit, vous n'avez pas encore compris du monde, rien, rien. Vous avez des enfants, il ne pas comprendre. Il ne pas comprendre qui c'est un assaut papa, qui ne va pas comprendre. Mais seulement. Tout le temps, j'ai plus adapté à moi. Balance, c'est toujours. Nous prenons, toi, tu n'es pas plus d'accord. Moi aussi, je ne comprends pas. Mais c'est moi. Tout le temps, moi, je peux causer. Je peux causer grand dialogue. Je peux causer, je raconte bien ta quelque chose. Je peux raconter. Ce n'est pas mon père dit l'esprit, non. Je raconte les bonnes affaires. Je peux dire que tu as trouvé, que tu as apporté là. Bizarre, réveille ça. Tu crois que c'est bon ça? Je peux causer là, moi. C'est moi qui cause. Beaucoup ça fait à moi causer. Causer, je dis, tu peux causer avec un dimon. Je dis, un grand dimon, mais il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre rien qui m'a causé. Mais c'est moi qui cause. Mais ça a causé là aussi important. Quand on a un enfant, il écoute tout. Et là, on peut trouver ces enfants-là, ils causent vite. Parce qu'il dit tellement tant de monde causer. Mettre un enfant dans une place que tout le monde ne pas causer. Il ne peut pas causer cet enfant. Il ne peut pas causer. Un enfant, il faisait tant de monde causer. Ou causer avec lui. Pas avec des enfants, il ne peut pas comprendre rien. Ça qui peut causer. Non. Il faisait causer avec lui. Les enfants ne peuvent pas comprendre. Il tendait. Il y a dans les oreilles, il tendait. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand. Il est vrai, nous tous, nous avons nos enfants.
Moi, quand mon petit ami dit que mon petit enfant est né, je dis que je suis allé à l'hôpital où tu étais. Je suis allé. Premières affaires, je fais, je prends un lit. Je cours sur le lit. Je prie, je cours sur le lit, je cours dans ses oreilles. Vous êtes connus, petit? Nous, nous servons un Seigneur qui appelle Jésus-Christ. Ça aime pour ton Seigneur depuis toute génération aller. J'ai fait ça rentrer dans ses oreilles. Je connais un reportage sur les talibans. Je connais ça dans l'Afghanistan, un ban, après les talibans, je la guerre, même je depuis, je peuple la guerre, je suis dans la tribu, mais sa tribu, il a défendu son camp. Si un autre ban tribu attaqué, quand les enfants ne connaissent qui faire, Bana amène physique. Mettre sa fusil là pour tuer les enfants, c'est coupable. Bam! Là, je t'expliquais, tes enfants, ils ont tant de son fusil là. Jusqu'à les grands, ils ont connu pour servir physique pour défendre son ban. Mais, je ne parle qu'avec physique. Nous parle qu'avec Jésus, avec la croix, avec le sang de Jésus. Amen. Nous enfants pour servir l'éternel. Nous causons avec ceux dans notre oreille, frères en Christ. Ça l'écrit là, la parole de Dieu est pour utile pour profiter à ces enfants-là, frères en Christ. Amen, enfants à l'église. Amen, enfants à l'église. Pareil que moi, amène les promener, amène l'église. Avec vous. Laissez écouter la parole de bon Dieu, même s'il n'est pas trop écouté. Amène-les, frères en Christ. Expose-les à ça, l'atmosphère. Hein. L'atmosphère, ça. L'atmosphère de l'église, il n'est pas pareil. Pourquoi il n'est pas pareil un concert, il n'est pas pareil un bazar, il n'est pas pareil. Il y a une autre atmosphère qui est dégagée dans l'église. Amen, nous enfants avec vous. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Dans Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, verset 6. Commencement, c'est. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel dit, seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez, quelle instruction bon Dieu donne-nous? Il dit, ça va un commandement qui toi te connais, qui t'entendais là. L'apôtre Paul parle de Timothée, dès ton enfance, tu connais les sept lettres, tu connais. Ça me connaît là, qui condamne nous là. Tu connais, Dieu te connaît. L'idée, ça va un commandement qui te connaît là, qui me finit donne toi là. Garde-le dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur. Inculque ça à tous enfants. Pour moi dire, pèse ce coucou la tête. Mon frère, si il a dit, pèse ce coucou la tête. Mettez un l'entonnoir, vide ça là-dedans. C'est une façon de causer ça. Perce ce coco la tête, vide tout ça, ban commandement là sur la tête. Laissez recevoir ça, frère Saint-Christ. Tu les inculqueras à tes enfants. D'être pour causer, abaisitement, c'est pas cause ça. Qui te parle causer? Qui s'évale la troisième course? Ah ben, c'est quoi c'est pas la troisième course? Mais c'est un petit là pour causer. Vous avez un camarade, c'est un mauvais masinier instantanément, mon masinier, tu habites Piton, quand je suis la forme D. Il est sorti dans l'école là-bas, Piton, après il vient jouer à nous. Parti dans la forme, il est ensemble avec nous. Il cause anglais en moi. Correctement, il cause comme un banzoke. Il y a les courses. Longtemps, c'est presque tout ban joke australien et ban australien quand cousine n'a pas compris. Tout anglais, un mauvais anglais en tout cas. Un anglais, comment dire, aïe,
culture, si on prend anglais, australien, ou indien. Et il dit que ça, si vous faites un erreur, vous avez un mot, vous avez un mot, qui fait? Parce qu'il dit depuis petit, il est imprégné dans sa. Maintenant, il inculque les causes dans sa boucle. Ah ben nous, nous puissions inculquer la parole dans nous, frères en Christ. Est-ce que vous êtes dans les enfants dans le bis n'éclairé, Zouré? Nous tous pouvons voyager dans le bis, un enfant, Zouré? Bis tranquille. Ou quoi, si c'est dans le bis, ces enfants-là, fait qu'à parler de Zouré? Non, 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 dis-moi qui se pensait. Ces enfants-là, là, fait que là, là, quand ils peuvent voir, c'est une tante, ça, ils répètent ça dans le bis. Non. Mais dis-moi, c'est une affaire qui a été tendée, qui personne ne peut corriger, qui a été dit, et encore, ben là, il y a. Non, il vient d'affaire vraiment ça. Si frère Steve Rie, il connaît, il tendait, il vit dans sa société. Là, il trouve ça, il tente ça tous les jours. Pareil que moi, je vais autres partie contre moi. Quand je vais rester là, terre rose. Si vous pouvez contre moi, vous êtes dans mon risque, mais aucun la drogue, ni aucun problème pénant. Ni un du monde pour je ne sais pas la musique fort pour des rangs nous aurons. Non, il y a pourquoi tout du monde, ben bon du monde. D'après l'apparence. Mais c'est moi dans les autres places où tant ça, où tant ça, ben phrase là, qui est un ben du monde. Enfin, voilà, bien que de toute situation, en ça, l'endroit là, tu te dis, respect, écoute-moi. Mais nous tant ça, des lois, moi, j'ai joué aux autres enfants, enfants là, petits enfants, pas grands enfants pour. Moi, je bats les enfants, jusqu'à nous dire, ça nous guette de vous, puis je suis un petit monde. Parce que ce n'est pas possible, un petit monde comporte comme ça avec un petit enfant. Non, pour être sans risque. Nous devons inculquer dans nos enfants, l'idée, de vous causer ça dans toute la case, dans ta maison. L'idée, quand tu es en voyage aussi, pas peur, causer ça. Non, pas ça aussi, tu causes. Quand tu as dormi, cause ça, cause parole bon Dieu. Quand tu as levé, cause parole bon Dieu. Pas de dire merci Seigneur, c'est tout. C'est tout, dire merci Seigneur. Ah, mon récit trouve encore un nouveau jour. Ça, mais oui, bien bon, tu rends grâce bon Dieu. Ton récit trouve un nouveau jour. Mais c'est même plus que ça, cause la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu, frère en Christ. Je connais une grave conséquence. Quand nous pas éduquons nos enfants. Vous connaissez ça? Il y a une conséquence quand nous pas éduquons nos enfants, comment nous avons éduqué. Et ça, dès nos jours, si vous êtes bien, ben la loi qui nous mettait. Vous connaissez le gouvernement, lui, il suppose travail pour bien-être pays, pour les peuples vivent bien, pour nos bonnes générations vivent bien. À quoi ça, il y a la loi qu'il y mettait, il dit pour commander à protéger nous. Par exemple, il dit un enfant, il à l'école jusqu'à 16 ans. C'est même pas connaît qui quantité sévère il était actuellement, la loi là. Parce que si mettait la loi, il y a une sanction. Faire commander ou pas envoyer les enfants à l'école ou garder la case. Il y a une sanction. Sanction là. Il n'y a pas pourquoi venir pour les enfants, il y a pour les parents là. Parce que ces enfants-là encore vivent sous ou toi, ils mangent ou mangent, le gouvernement paye bis. Qu'est-ce ça? Il paye la paix, ça? Le gouvernement paye bis. Cadeau pour ces enfants-là à l'école. Paye professeur-là pour venir. Est-ce que là, où faire les enfants-là à sa case? Mais le gouvernement n'a pas perdu. Laisse-nous causer. Nous, là, pour dire que nous. Livrer la parole de Dieu. Mais nous devons guetter nos contextes dans nos pays. Comment ça a été, frère Saint-Christ? Gouvernement faire bien. Il y a un peu de dire, il peut dire votre gouvernement. Non, moi, je ne peux pas dire ça, moi. Ça, où était où? Mais c'est mort. Peu importe qui gouvernement, mais ça, le gouvernement vient. Il devons faire quelque chose de bien pour nous, d'après lui. Mais c'est mort quand on était dans la loi qu'il mettait. Ça va la loi là, il compte même la parole de Dieu. Si nous pour prendre la parole de Dieu, nous pour mettre, oh ben la loi qu'il mettait, il peut dire, intimement, on trouvait qu'il s'est fini téléphoner. Mon maman, il bat moi. Mais
la police vient et dérange une machine de la police là pour venir guetter vraiment si pas ça enfant rien batté. A bien quoi si il est un voisin battre moi, c'est l'autre problème. J'aime mon papa mine battre moi. A bien il est ton papa un droit battre toi. Qui est arrivé. Qui ça passe à même Lydia. Lydia corrige ses enfants là. La Bible dit, mais ça va la loi qui mettait là. Parfois, il compte, mais là, il crée un débalancement dans la société. Il crée un débalancement. Les enfants là, l'école, l'école supposée être l'autorité. Quand le professeur est dans la classe, c'est lui l'autorité dans sa classe. C'est lui qui dirige sa classe. Quand il arrive là-bas, les enfants là, ils disent, dans ce droit. Et ce droit, plus fort qu'il doit sa professeur là. Non, avec qui ça va mettre ça la loi là? C'est le gouvernement. Pas là pour faire politique, mais quand il soit pas bon, c'est pas bon. C'est pas possible. C'est pas possible, frère Saint-Christ, qui nous accepter un affaire comme ça, qu'ils en fassent là ce droit. Nous tous un droit. Mais c'est moi, ou droit, il y a une limite, ça. Ou pour un soulier, ou envoyer leur professeur. Ou un professeur, il y a un ghetto, il y a un. Ou prendre poisson ou mettre dans coca professeur. Mais qu'est-ce ça y a une petite affaire, ça frère. Ah, non, bien. Nous périons, mais il y a une petite chose. Il y a un délit. Est-ce que pas pour faire l'île, il y a un enfant. Mais longtemps, tu es dans la place qui envoie les autres. Parce qu'ils ne se placent pas dans l'école là. Ils ne se placent pas dans l'école. En fonction de l'autre école. Quand tu as l'école là, fais trois couplets, lèvres. Parce qu'ils ne savent pas tomber dans le curriculum de l'école. Ça. Lèvres, rabot du bois. De là, toi, ça l'école là. Quand on corrigeait, de là, tu aurais sorti. Et tu disais, prends-toi ton sort, ça va les enfants là, frère sans Christ. Tu connais la bonne grave conséquence quand nous pas. Quand nous pas éduquons nos enfants, il faut vraiment la loi qui calme nous. Mais c'est moi, nous qu'on a la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de laisser la loi calme nous. Nous disons, agir selon la parole de Dieu. Pas, comme la Bible dit, Père, n'exaspérez pas vos enfants. Au départ aussi, nous tous les enfants, là, comment ils viennent, tout en du bois, l'eau, les deux, hein? Non. Il n'est pas correct, pas correct du tout. Mais seulement, il ne faut pas être la loi. Qui mettait la loi civile, qui empêche nous, exerce nos droits religieux, nos façons pour corriger nos enfants. La Bible même dit qui papa pas corriger ses enfants. Il dit qui ça papa là? Esther là, elle est là, ça aussi, elle est là dans la case. Bonne maman, elle dit laisse ton papa venir. Quand ton papa venir, mais c'est mon papa là, vini, non, il n'est pas arrivé. Non, ça c'est un antique, ça corrige tout de suite ça. Le temps où attendre sa papa là, vini, papa là, pas pour comprendre qui vrai problème, qui n'est arrivé. Mais dis-toi, ton papa pour venir. Mais puis tu l'as tellement l'intense, ça a fini, qu'on a un refrain ça. Mais pas, il n'est plus quoi dans ça. Ou quoi? Il n'est pas assez grand pour connaître qui papa arrive dans rien. Laisse-nous lire la parole de Dieu. Connais-nous pas qu'à une cause. Nous avons connu la parole de Dieu. Laisse-nous lire dans 1er roi. Nous connaissons un roi avec des rois. Nous lisons dans 1er roi, chapitre 1er, le verset 5. Laisse-nous lire sa histoire, ça, c'est un homme-là. Un homme qui n'a pas fini de corriger. Un homme qui, sa famille, est ici, fait tout ce qu'il a envie. Premier roi, chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit à Adonija, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil, jusqu'à dire. C'est moi qui serai le roi. C'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père
ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Dans un coin d'Adonija, Absalom souffrait ça. C'est-à-dire, si ce coin Absalom souffrait, sa boucle qui fait ça, elle relaxe dans ça. Qui partit de l'île dans rien. C'est le papa là qui l'île. Si Absalom, frère Adonija, je ne sais pas qu'on l'île, mais Absalom, c'est bien qu'on l'île. Oui, son David. Son frère Salomon. Son frère Solomon. Salomon, son frère. Maintenant, il y a Absalom. Il y a Adonija. Absalom aussi, ces histoires. Lire aussi. Pas trop jolies histoires. Absalom. Sa boucle, tu connais qui Salomon pour finir les rois. Il dit à moi qui pour finir les rois. Moi, je décide pas moi-même. Vous connaissez qui fait de la Bible qui est de son père? Ah. La peine à sa mère, là. Son père. Oui, mais normal, qui sa mère? Peine à sa mère. Vous connaissez, il a fait la honte de sa mère. Mais ici, il fait le problème de son père. Son père qui pouvait dire mal. Dites ça. Sa boucle là, il dit son père ne lui avait de sa vie fait une reproche. Alors, c'est un enfant depuis l'inné, un petit reproche aussi. Même si maman peut dire, hey, il y a là-bas. Dit, papa là, il reste tranquille. Encore, qu'est-ce qu'il a ajouté? Adonija était très beau de figure. C'est-à-dire qu'il fait la croyance sur les enfants. Vous connaissez ça? Il y a un seul enfant, il dit, c'est un seul garçon. Voilà, pas le dire. Voilà, dans moi, pas le dire, c'est un joli Michel, pas le dire. Vous ne connaissez pas le dire, ça, mais c'est mort. Pour là, il peut me aussi, il y a un joli garçon. Et ça m'a fait les réponses. Et moi, je connais la bonne famille comme ça, aucune réponse. Un homme, il plaignait, il y a de sa graisse, des enfants jolis comme ça. Connais qui fait maman là sa graisse sur ce garçon joli. Vous avez besoin de plus loin pour expliquer ça? Non. Moi, sa maman là, sur la tête fatiguée, il dit sa graisse sur ses enfants. Ce garçon, il n'est aussi joli que ça. Qui fait ça? D'après eux, qui fait les autres pensent ça? Mon frère, il était pas compris, pas croire que ça là, je comprends ça. Il était tellement tifi, venu ça. Il pas connaître comment pour ça. Mais là, il riait, comment dire, la gloire pour lui. Mais c'est moi, ça, la gloire là, il tourne un déshonneur parfois. Elle a tout pas pu dire, il n'a rien. Qui fait parce qu'il y a un joli garçon? Non, frère Saint-Christ, vous connaissez qui nous fait. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. À cause de sa beauté, à cause de l'éducation, Bougla plus malin dans nos familles, tout ça, il ne sait pas qui degré, mais vous allez aussi faire ce qu'il a envie. Non, frère Saint-Christ, quand il fait une erreur, nous avons besoin de dire, nous enfants, ça, guettez nos enfants, peu importe qui l'âge, vous êtes allé, guettez qui me l'âge, moi, c'est pas 63, mon père, 63 ans. Alors, quand mon papa pour cause à moi, mon trop grand? Non, ou pas car trop grand, n'importe qui ou là, je ne suis pas trop grand pour parents. Parents cause à vous, ou plus fort qu'il est, ou j'ai moi, ou pas capable. Pas besoin de soutien aux enfants là. Et frères en Christ, qui fait un besoin de la parole? Parce qu'il dit qu'on avait Timothée, il dit, tu connais les sept lettres. Il dit, tu ne connais pas Timothée. Connais, mon ne a dit ça ici. Et là, il dit, moi, a dit un frère tel, si pas un tel. Dieu a dit ça de. On dit, mais qui m'a pas dit? Mais l'idée, ça, qu'on n'a pas parole de Dieu, c'est un mot.
Allez, des fois, à rôle, il y a un prédicateur. Ou tout ça, causer ça. Il va connaître, frère, il ne pas connaître. Il connaît. Comment il a un lien, c'est le coup qui était. Il connaît qui était. Il dit, tu connais les Saintes Écritures. Qui fait l'idée de sa frère sans Christ? Parce que dans le même passage qu'il nous lit de Timothée 3,16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'enfant de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu, quand il y a l'homme de Dieu, c'est tout bon qui appartient à Dieu. Alors, on peut penser que ça existe pour bon pasteur. Non. Afin que l'enfant de Dieu soit accompli. Vite la parole de Dieu, un travail qui fait dans nous la vie, frère, sans Christ. Il cause avec Timothée, dit, tu connais. Timothée te connaît, toi. Tu connais parfois, il y a qui nous ça. Je te connais, toi. C'est moi qui fais à quoi nos enfants, nous déclarons pas connaître. Mais seulement nous connaissons, nous. Nous connaissons qui parole bon Dieu dit. Nous connaissons qui parole bon Dieu dit, frère sans Christ. Tu connais. Vous connaissez 10 paroles bon Dieu qui en a pouvoir pour sentir tout le temps. Monde ça. Et dans le dimon, nous prenons la 6e en lit, on cause, on pleure dans son lit pied, on explique qui vient faire. C'est moi qui prenais couteau. Il pas écoute tout parce qu'il n'est pas capable d'écouter tout. Parole ben a pouvoir. Parole bon Dieu a pouvoir, frère sans Christ. Parole bon Dieu a pouvoir. Vous connaissez où? Ou presse morale ou? Vous après sa parole de Dieu, la presse morale, on dit mon nom. Vous connaissez mon petit, comme ça, c'est ici, c'est là, ou presse morale. Vous connaissez, vous connaissez les enfants là. Si tu peux écouter moi, écoute ton grand-père. Ton grand-père est content de toi, lui. Mais même grand-père est content de lui. Qui petit là pour écouter? Il ne met pas bon dans la tête pour écouter. Ah, c'est un appel presse morale, ou pas presse morale. Pressé, pressé. Écoute, écoute ton grand frère. Il peut écouter. Hein? Ah ben, il dit, ah ben. Pas capable. Pas capable, pas capable, pas capable, pas arrive au bout. Tu connais l'évangile, il y a une puissance. Il ne peut pas dire ça. L'évangile, il y a une puissance. Pas n'importe quelle puissance, c'est une puissance qui vient de Dieu, frère Jean-Christ. L'évangile, c'est une puissance qui vient de Dieu. À cause de ça, même, je tout autre combat nous. Vous connaissez qui fait tout combat nous? Si nous, il existe une religion, par avec moi, toute religion, qui fait besoin de combattre nous. Parce qu'il y a une puissance. Quand nous prêchons l'évangile, il y a une puissance pour sans autre famille, convertir notre famille. Si il y a des gens dans l'autre religion, amène dans l'autre religion. Et c'est un peu de nous qui peut faire ça. Ou quoi si vous avez une capacité comme ça? Si nous avons une capacité comme ça, j'aurais dit premier ministre, vous avez assisté là pour nous. Parce qu'il nous prend sa capacité là, mais l'évangile est non. L'évangile est non. L'évangile est non. Nous continuons presser, nous continuons presser l'évangile. Écoutez quoi dans Jésus-Christ? Acceptez Jésus-Christ comme au Seigneur et dans la vie éternelle là-dedans. Comment nous dit il y a un petit message grand matin, il dit la vie éternelle, c'est pas qui n'existe. Tout l'année à aller, on est resté là. Non, depuis aujourd'hui, on a la vie éternelle. Oui, il dit, ou qu'il croit dans, en Christ Jésus, ou est non la vie éternelle dans où est-ce là. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous pouvez croire la vie éternelle là, il faut des mots. Non, la vie éternelle, pas besoin de mots. Aujourd'hui, même si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es dans la vie éternelle dans toi. La vie éternelle, là, reste dans toi, ça. Il dit, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. Il ne peut pas dire aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Bien, la vie éternelle demeurant en lui. Amen, alléluia. Connais même au grand point modèle comme Timothée. Bon Dieu dit, même si vous pouvez déclarer bête, vous connaissez l'écriture. Vous ne attendez parole bon Dieu. Vous connaissez qui parole de bon Dieu dit alors ça c'est là. Pas besoin ou vous demandez personne, ça frère sans Christ. Pas bizarre ou vient d'imman personne. Connais sa parole là. Ça aime condamne nous. Ça aime approuve nous. Parole bon Dieu. Soit il condamne nous. Soit bon Dieu approuve nous. Même parole. Peine à des paroles ça, frère sans Christ. Même parole. Il fait nous vin sage. Vous connaissez beaucoup d'enfants de Dieu, peine à l'école. Pas à l'école. Mais peine à grand l'éducation, on peut dire. Il allait à l'école, mais l'éducation, pas beaucoup.
Mais seulement, je prends une bonne décision avec sagesse. Je suis sage. Et là, tu me dis, je suis intelligent. Moi, j'ai un camarade comme ça. Il dit, moi, tu connais comment tu es resté là-bas dans Boca, tu es un petit, ça dit, moi, il n'y a pas trop l'école, là, rien. Je dis, moi, c'est même autant ici, dans la parole de Dieu, pour écrire. Je dis, moi, il y a quelque chose d'insensé dans la vie, ça boucle. Peut-être qu'il aime de reconnaître qu'il y a quelque chose d'insensé dans la vie, un bouc qui se s'appelle un bouc bête. Mais c'est mal, il y a une décision qu'il prend, il n'est pas bête. Mais quand il y a sa sagesse, sa sagesse, elle vient depuis la parole de Dieu, sa frère sans Christ. C'est la parole de Dieu qui donne une sagesse. Pas des clés bêtes, nous mettons la parole de Dieu des côtés, après nous allons écouter tous autres l'homme pour donner nous solution. Peine à solution avec l'homme. Solution trouve avec Jésus. Amen. Solution trouve avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas peine à grand école, grand classe. Mais c'est moi, bon Dieu, donne une sagesse. Et là, on appelle ça l'intelligence. Vraiment. Voilà l'intelligence. Vous venez vous faire un business pour rendre dans sa business. Ça, vous avez l'intelligence, c'est ça l'intelligence là, bon Dieu qui donne nous ça. Et quand bon Dieu donne nous ça, l'intelligence, ça peine à personne pour dépasser. Personne. Moi, je dis à personne, frère sans Christ. Alléluia, gloire à Dieu. On fait quelque un camarade. Tu réponds à nous, ben, une baptême, tout ça là, aux camarades d'école, ça. Je peux dire dans. Je dis, moi, c'est moi, mon vintère rouge. Ça compte les pâtisseries dans l'an. Beaucoup. Mais c'est moi, ça ne pas inquiéter nous du tout. Ne fait pas inquiéter nous. Parce qu'il nous connaît l'or qui s'en a nous appuyé. Nous n'avons pas besoin de faire non, rien pour te prier. Seigneur, ferme banan, ferme. 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 Alors je vais prier. Moi, je prie. Contraire. Non, frère. Bon Dieu, un grand bon Dieu, ça. Bon Dieu, un grand bon Dieu, ça. Quand il donne toi l'intelligence pour faire quelque chose, tu fais lui. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prenez sa bonne Simon qui prend une bonne décision là. Ça, moi, appelle ça l'intelligence renouvelée. Ça même qu'il a Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et non, beaucoup de chrétiens ont l'intelligence pas renouvelée. Parce qu'ils ont parlé de l'intelligence renouvelée. Ils ont tous les vies pareilles que moi, ce grand-père. Ils ont tous les vies pareilles, ce bon grand du monde. Ils ont tous les vies dans les mal. Vous êtes nos frères en Christ. Laisse-vous l'intelligence renouvelée. Regarde sa phrase qu'il dit là. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée, tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage. Mais dis à sa sainte lettre-là, capable de rendre toi sage. Tu as une sagesse qui plisse qui dans les yeux du monde. Quand ben, du monde a un problème de vie dans toi, tu dis à une parole, sa parole est parole de sagesse. Sa parole de sagesse-là, elle est puissante dans la vie. Parce que dans toi, tu as une parole de sagesse. Tu n'es pas plus malin qu'ils autres. Tu n'es pas plus malin qu'ils autres. C'est moi. Laisse la parole de Dieu rentre dans nous, frères en Christ. Ou pas besoin de rien, ou besoin de ce que la parole de Dieu rentre dans nous. Un an peut dire, pasteur, peut venir à moi visite, ou qu'un ancien. Non, ça m'entendait. Personne ne peut venir. Parce qu'il y a quoi, ou qui parole pasteur, n'a pouvoir changer. Si tu peux venir à moi visite, et tu peux dire moins de causer, et tu peux donner moins de conseils. Et ça, connaît dans l'église, nous pas prendre décision pour du monde, nous ne sommes pas capables. Non, il est possible pour nous prendre décision dans la place d'un autre du monde. Ou soit mon vieux, ou d'être connaître, tu ne viens pas faire ça. Pas rentrer dans un travail-là, rentrer dans l'autre. Ah, moi, je trouve un grand danger, moi vous dis à lui. Mais c'est moi, normalement. Nous ne rendons pas un problème, nous conseillons selon la parole de Dieu. Décision, c'est où qui prend. Si vous laissez la parole de Dieu agir d'en haut, là où vous prenez une décision basée sur la parole de Dieu, pas l'homme causer l'inutile ça. Vous causez, il peut dans sa quantité valeur, là, sa quantité poids, là, comment la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est primordiale. Frère, est-ce qu'il m'aura pas à faire ça? Non, pas frère qui besoin de ça. Moi, vous dire la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu qui dit toi, depuis tes enfants, comme moi, Timothée, dit, t'entendais toi. La parole de Dieu qui dit toi. Qui la parole de Dieu dit toi? Ça est, moi, je ne vais pas me rendre en détail pour l'expliquer. Là, demain, vous dites, frère là, tu dis. Non, frère là, pas dire. Jamais, vous dire ça. Il n'y a pas de causer qui ne va pas dire, je ne vais pas dire.
Parfois, quand nous finissons, faire une visite, mon cousin, mon madame, mon dieu, t'en écoute mon cousin qui me dit, t'entends moi dire telles affaires. Non, mon pas dire, c'est moi. Moi, essaye de faire du mal à comprendre. Moi, essaye de faire y comprendre. Parce qu'il me connaît, il y a une grande personne, il y a des enfants, il est bien capable de réfléchir. Avec l'esprit bon Dieu, avec lui, il est capable de prendre une décision pour son propre avantage, frère en Christ. Moi, je veux dire qu'il nous besoin arrête de faire un plan par nous-mêmes. Je connais quelquefois des mots, tu prêches Abraham. Je dis, Abraham, tu connais la parole de Dieu. C'est marqué à un moment donné, il commence à faire un plan d'après lui. Il dit, je veux dire qu'il y a des enfants. Les enfants-là, il a des gars, les enfants sont nés. Ils n'ont pas plan bon Dieu. Mais nous aussi, frères, sans Christ, pas passe à côté. Connais dans sa parole, bon Dieu, là. Et en délivrant Satan, ça même dit, hein, qui peuvent te rendre ça, ça salue. Et en délivrant Satan, et en salut là-dedans. Le salut, premièrement, salut une âme, quand on croit dans Jésus-Christ. Après ça, salut, ça pour dans la situation, dans le problème. Et dans beaucoup de difficultés dans la vie, frère, sans Christ. La parole de Dieu a le pouvoir pour tirer toi là-dedans, pour délivrer toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Quand Paul dit à Timothée, en d'autres mots, c'est qu'il m'en comprend, il dit à Timothée, moi, pas tout le temps pour là, pour venir dire à toi tout quelque chose, moi. Je ne peux pas parler avec toi, mais tu as désiré venir avec toi. Il dit, mais tu connais les saintes lettres. Tu connais toi. Est-ce qu'il est capable de dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, frère sans Christ? Non, cause franc. Capable, non, nous ne pas connaît. Mais ce qui est essentiel pour nous vivre, pour nous comporter, nous dans ce monde-là, nous connaît. Si nous disons nous ne connaissons pas, nous mentons. Là, nous disons, pour nous, rien, nous vivons l'église. Nous vivons l'église, non, nous ne connaissons pas ce qui vient faire. Frère, il y a un droit à ça. Il y a la parole de Dieu. Il y a un droit à faire ça. Il y a la parole de Dieu. Si nous sommes à l'église, si vous avez besoin d'une constitution, un gros livre à écrire. La toile feuilletée, tout guetté, par un droit Mansgoyave, par un droit Spakis Histoire, par un droit. Mais non, ce n'est pas l'église. Vous écoutez la parole de Dieu, frère Jean-Christ. Vous écoutez la parole de Dieu. À cause d'un quotidien, bon, nous voulons qu'ils soient tous étudier la Bible. Étudier la Bible, nous avons un cours biblique. Nous pouvons dire. Il y a beaucoup qui ne suivent cours biblique avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Ils peuvent faire le travail. Mais ça nous dit. Nous dit, c'est qu'un jour, il est équipé. Il finit équipé, il finit con parole. Bon Dieu, il est là, il y a les guides qui travaillent, il les fait. Mais quand il peut être, qu'il est Maurice, qu'il n'est pas Maurice, il est capable de faire le travail, bon Dieu. Il est capable. La parole de Dieu, il connaît, frères en Christ, nous connaît. À cause ça, moi, tu lances l'appel, moi, derrière ça. Il y a pas de nouveau, pas de nouvelle. Qui a envie de suivre le cours biblique, nous là. Je suis disposé pour sacrifier moi-même. Pour faire lui. Je dis à moi, pour faire lui, qui fait, moi, je sacrifier moi, parce qu'il m'a aussi, moi, dans le cours. Et le cours là, beaucoup difficile. Il consomme le temps. Je me suis dit, même si je arrête pour moi, pas faire rien, mais c'est moi, je vais investir dans eux. Je vais investir. Puis demain, nous trouvons celle qui est dans la nouvelle église là-bas. Ouais. C'est ensemble, nous, ça. Et l'autre, c'est nous, ça. Nous, nous inculquons quelque chose dans notre frère en Christ. Mais c'est moi, quand nous tendons à nous, ban, une rétrograde, il va faire nous plaisir. Pas vrai? Il va faire nous plaisir. Quand on dit rétrograde, il peut faire quelque chose de contraire. Parfois, nous posons une question, est-ce qu'il nous bien pressé? Est-ce qu'il nous prend une presse dans le vide? Tout ça, là, une question, nous posons. Nous posons une bonne question. Vous connaissez pour terminer, il y a une cause qui dit, l'ignorance de la loi, il n'est pas une esquisse. Vous m'avez dit, la police arrête tout, esquisse, monsieur, je ne vais pas partir contre la loi.
ou quoi ou excusable diamant. Quand la police arrête tout d'excuser, il est vraiment pas tu connais. On va peut dire menti, papi, cool, menti, tiens, plan, pour sa plat. Non, pas tu connais. La police arrête tout d'un monsieur ou madame ou commet une offense. Bon, pour pouvoir ou une contravention. Ou dire, moi, pas tu connais, monsieur, si pas ce qui peut dire là. Est-ce qu'il est excusable? Est-ce qu'il. C'est quoi ce franc? Dans la loi normale, il dit ça. Ignorance of the law, il n'y a pas une excuse. À cause de ça, Paul dit, frère, je ne parle pas qu'ils ont resté dans l'ignorance. C'est pas dire? Parce que l'ignorance, c'est un problème. Ça ne parle pas qu'ils ont resté dans l'ignorance. Je dis, écoute la parole de Dieu. Je dis, vive la parole de Dieu. Je ne parle pas qu'ils ont resté dans l'ignorance. Dans Michel, dernier verset, je vous prends, Michel chapitre 6, verset 8, c'est comme ça, il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, allez, il faut ça me encore connaître. Il fait toi connaître. Donne-moi l'église le matin, tu connais qui Jésus Seigneur. Donne écoute-nous en ligne. Tu connais qu'il y a un seul chemin, Jésus. Pendant l'autre, nous ne pouvons pas présenter l'autre quelque chose à part Jésus-Christ. Et quand on finit comme ça, ces mains-là, suivez-les, cause-les avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec tous ceux, tes voisins, avec tous ceux qui sont capables de causer sa parole-là. Fais un autre connaître qu'il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bon, les salons se cliquent. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse-nous prier. Laisse-nous prier grand matin, là. Nous prions. Papa, dans le nom de Jésus. Nous finissons ta parole, grand matin là, Seigneur, moi, je fais une cause selon ce qui te finit de moi pour causer dans sa place. Nous remercions toi, Seigneur, de ce qui nous finit ta parole, bon Dieu, dans sa place. Nous entendons parole. Pas si cela nous tend sa parole, là, depuis bien avant. Et non, depuis nous plaisons, nous finissons tant de paroles qui finissent prêcher, de paroles sérieuses, de paroles certaines, de paroles véritables. Mais pas laisse-nous passer à côté, Seigneur. Pas laisse-nous passer à côté de la parole. Laisse-nous inculquer à nos bons enfants. Laisse-nous inculquer dans ce cliquet, dans toute la vie, sa parole-là. Sa parole-là, Papa éternel. Nous comptons toute la grâce, Papa éternel. Nous demandons toute la grâce, Papa. Nous demandons toute la faveur, Jésus. Nous comptons toi, Seigneur. Nous connaissons qui est le Seigneur, qui peine à l'autre Seigneur par toi, Jésus. Fortifiez-nous, Seigneur. Fortifiez-nous. Garde-nous dans tes paroles, Papa éternel. Dans sa dernière temps-là, l'ennemi vraiment peut attaquer nous, Banzen. Nous place nous, Banzen, dans ta main, Papa. Nous placeons dans ta main, Papa. Parce que vraiment, Seigneur, ténèbres peinent à priorité, Lord, nous, Papa. Nous comptons toi, Seigneur. Nous demandons toi délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites pas merci, Seigneur. Merci, Papa éternel. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa éternel. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je quitte la place à nous, frère Harold, ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Garde parole, bon Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon Dieu, viens faire nous connaître ce qui est bizarre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus.